bien, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite du let's play de The Legend of Zelda Wind Waker. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Et donc, première chambre où on arrive, je pense que ça doit être cette petite fille, Medoli. Tiens, en effet, tenue verte et bonnet vert de lutin, tu dois être Percy. Je suis la servante de Valou, l'esprit qui vit dans la montagne du dragon. Je m'appelle Medoli. Enfin, en vérité, je suis encore en apprentissage pour le moment. Au fait, notre grand chef m'a donné ceci. Il aimerait que tu le remettes directement à Scaf. Vous êtes fait remettre la lettre de père. Cette lettre est adressée à un fils par son père. Rangez-la dans le sac de facteur et allez trouver Scaf pour la lui remettre. Quand vous souhaiterez la donner à son destinataire, ouvrez votre sac de facteur et assignez-la. La chambre de Scaf est tout en bas, tout au fond. Surtout, ne t'énerve pas si tu vois Scaf. Il n'a pas un mauvais fond. Mais Percy, j'ai une faveur à te demander. Pourrais-tu ensuite venir à l'entrée de la montagne du dragon? Parce que... Après avoir vu Scaf, viens à l'entrée, s'il te plaît. À vrai dire. D'accord, ok. En fait, elle sait pas trop ce qu'elle veut dire, du coup, elle dit rien. Ok, bon. On va mettre notre petit sac de facteurs. Attendez, parce que... Comment je fais pour le mettre sur le Z? D'accord, c'est cette touche là, Z. D'accord. Et maintenant, on va mettre ça là. Voilà, nickel. Alors, il faut que je trouve Scaf. Scaf, elle m'a dit c'était une chambre quelque part par là. Ça doit être par là-bas, je pense. Tout au fond, elle m'a dit. Là, le gars, il a qu'une chambre ici, c'est la sienne, quoi. Il a pas mal de chance, ce gosse. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la broderie. C'est pas le moment de faire de la broderie, gamin. Qui es-tu? Ah non, c'est une boule. Qu'est-ce que tu veux? En ce moment, je ne veux parler à personne. Tiens, cadeau. Une lettre? Une lettre de qui? C'est bien facile de m'encourager. Ce n'est pas lui qui doit aller trouver ce Valou terrifiant pour chercher son écaille. Il parle de toi dans sa lettre. Il dit que tu rends service aux autres. De quel droit te mêles-tu de leurs affaires? Je sais que c'est mal, mais je ne me sens pas le courage d'aller trouver Valou. Et comment vais-je pouvoir obtenir mon écaille s'il reste tellement en colère? Tu penses pouvoir lui parler? Tu parles facile à dire. Si quelqu'un allait vraiment voir Valou dans la montagne du dragon, alors là, j'écouterai ce qu'il a à dire. Quoi? Ah, ça? Quand je tiens cet objet, il m'apaise. J'oublie un peu tout ce qui ne va pas. C'est joli, non? Cet objet s'appelle la perle de Dain. Je le tiens de ma grand-mère. Elle me l'a donné il y a longtemps. Autrefois, ma grand-mère était la servante de Valou. Elle était la seule à comprendre son langage. Ah, si ma grand-mère était encore là, elle aurait su, elle, apaiser la colère de Valou. Mais vous autres, vous n'y pourrez rien. Personne ne peut apaiser la colère de Valou. Mais ne regarde pas ma perle comme ça. Elle est à moi, tu comprends? Je ne la donnerai pas au premier venu. Rabat-joie. Bon, il faut que j'aille aider. Il faut que j'aille voir le dragon Valou. Et après, je pense que en lui parlant un peu. On va se faire un petit peu de castagne. Ça devrait le faire. Bon, elle m'a dit d'aller voir le dragon. Elle m'a dit d'aller tout en haut. Alors, est-ce que... Ouais, c'est bien ce que je pensais. Elle n'est plus là. Comment je fais pour aller tout en haut, du coup, moi, maintenant? Ça doit être là. Ça doit être quelque part là, hein. C'est obligé. Ici j'aurai un grappin plus tard je pense. En attendant, finalement je crois que ça doit être dans le chemin où elle était. Ça doit être là. Waouh. Ah oui, en effet, il est pas très content. Il n'y a rien à faire contre cette chaleur, mais regarde en bas, quand tu seras là,
Quand tu seras là-bas, l'étang de la montagne du dragon a l'air complètement desséché. C'est clair. Bon, faut que j'aille là, mais je fais comment pour aller là, moi? Je fais comment pour aller voir le dragon? Ah d'accord, je peux pas prendre mon épée ici parce que on est en zone, c'est une zone interdite, interdit aux épées. Excuse-moi, j'aimerais aller voir Valou. Oh là, inconnu, qu'est-ce que tu fais là? Tu cherches un petit boulot? T'as vu l'affiche? Oui, bien, je vais donc te faire passer un petit test d'admission assez facile. Tu vas devoir regarder les sceaux qui sont imprimés sur les lettres et envoyer chaque lettre dans la boîte portant le motif correspondant. Choisis les boîtes et envoie avec... Ah, c'est compris, ouais, oui. Envoie au moins 10 lettres dans le temps imparti, ça à toi. Quoi? Lui. Tac. 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 Merci à tous ceux qui m'envoient des messages sur Facebook, c'est sympa de votre part. Alors, qu'est-ce que t'en dis? 16, bravo, tu es pris. Le salaire est d'un rubis pour 2 lettres. Cela fait donc 8 rubis. Reviens quand tu veux. Plus tu deviendras habile, plus j'augmenterai ton salaire. C'est cool. Tiens, je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Tu es ce jeune garçon qui court les aventures d'île en île. Tu aurais pas des plumes d'or par hasard? Ma petite amie aimerait en avoir. Je lui ai promis de lui en envoyer. Oh là. Ah, tu es jeune garçon, hein. Tu sais, Skaff est un bon garçon dans le fond, mais comme son père est très occupé, il est toujours senti très seul, et on ne l'a jamais grondé. Depuis que sa gentille grand-mère, qui s'occupait toujours de lui, a disparu, il a perdu toute confiance en lui. La grand-mère de Skaff était une grande dame. Il paraît que le joyau qu'elle a donné à Skaff lui avait été directement remis par le vénérable Valou. Non, mince! Je viens de où, moi? Je viens de là, je crois. Faut que j'arrive à trouver comment aller tout en haut. Ah bah c'est peut-être là. Alors, en effet, oui, Ah bah elle est là. Merci d'être venu. Excuse-moi de t'avoir fait venir dans un endroit aussi dangereux. Autrefois, il y avait ici une source. C'était magnifique étant. Mais depuis que Valou s'est mis en colère, des pierres sont tombées. Elles ont bouché les veines d'eau et l'endroit est devenu sinistre. Mais comment va Skaff? Bien entendu, il ne va pas très bien. J'ai peut-être moi aussi une part de responsabilité dans son état. La grand-mère de Skaff était la précédente servante de Valou. Elle était ma maîtresse. Elle ne m'a pas seulement appris mon travail, elle était aussi un modèle de courage et de gentillesse. Je ne suis pas encore à la hauteur des conseils qu'elle m'a prodigués. Si j'étais aussi courageuse et aussi bonne qu'elle, Skaff n'aurait peut-être pas aussi peur. J'ai une faveur à te demander, Percy. Je veux aller dans la caverne du dragon, mais je n'arrive pas à monter sur cette falaise toute seule. Il suffirait pourtant de quelques coups d'aile si j'arrivais à me servir correctement du vent, mais dans la bonne direction. Mais est-ce que tu peux m'aider? D'accord. Ah, merci. Alors prends-moi sur tes épaules. Place-toi en face de la falaise et lance-moi. Mais fais bien attention. Il y a des courants d'air ici, la direction du vent change sans arrêt. Ne te fais pas de soucis pour moi, lance-moi de toutes tes forces. Hop. Hop. Oh shit. Aide-moi à nouveau à me servir du vent pour voler en haut de la falaise. Ah, attendez, hop. Ah. Merde. Ah, faut que j'y aille de loin alors. Ça va, ça là, lance-moi à nouveau. Faut que j'y aille de loin, je pense. Faut que j'aille là. Oh shit. Ça va? Aïe.
Ok. Bon, on va le faire combien de fois ça, Sado? Je vais attendre un petit peu, je vais voir. Donc là, le vent va à droite. Non, merde, voilà, je m'en doutais. En fait, à un moment, le vent va dans le sens où je veux. Donc j'ai qu'à attendre qu'il va derrière, à droite, vers la droite, ensuite vers la gauche. Ou vers la gauche, ensuite vers la droite, et ensuite il va dans le bon sens, logiquement. Et là, il va aller dans le bon sens. Nickel. Merci beaucoup. Je vais maintenant pouvoir aller trouver Valou dans la montagne du dragon. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas encore tout à fait terminé mon apprentissage comme servante, mais je comprends déjà assez bien le langage de Valou. Je ne suis pas très sûr de moi, mais bon. Et il devait m'arriver quelque chose. Occupe-toi bien de Scaf. Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, mais prends au moins ceci. Qu'est-ce que ça va me donner? Un flacon. Pourra vous servir à puiser l'eau ou conserver certains membres de choses. Surtout, ne dis à personne que je suis allé à la montagne du dragon. Ce sera notre secret à tous les deux. Allez, j'y vais. Je sens que ça tirera des emmerdes. Je sens que ça tirera des emmerdes. Je sens que ça tirera des emmerdes. Et on est tous heureux. Bon. Du coup, maintenant, on n'a plus qu'à retourner voir Scaf, je pense. Elle est partie complètement. Donc elle, c'est mort. On pourra pas y aller. Ça, à la base, devait y avoir des bombes ici. Mais ils n'arrivent pas à pousser les bombes. À cause de la chaleur. Bon, on va voir Scaf, du coup, maintenant. Lancer d'oiseaux. Oh, salut, petit. Percy, connais-tu Medoli? Un collègue vient de me dire qu'il avait vu à des monstres inconnus enlever une jeune fille qui ressemblait à Medoli, aux environs de la montagne du dragon. Pourtant, Medoli est trop petite pour avoir pu voler jusque là-bas. C'est sûrement une erreur, mais je me suis inquiet quand même. En fait, mon collègue a dû se tromper. Je ne pense pas que Medoli ait pu se faire enlever du côté de la montagne du dragon. Mais je voulais rester un peu ici à attendre. Ne t'inquiète pas, Percy, va plutôt t'occuper de Scaf. D'accord. Et bah s'il savait que Medoli, attendez, Mélodie, elle s'est fait enlever quoi. On est un peu dans la merde. On a aidé Medoli à aller sur la montagne du destin. Elle s'est fait la montagne du dragon. La montagne du destin, bah pourquoi je dis ça? Je vois que dalle, hop. Hein? Ne regarde pas ma perle comme ça, je ne te donnerai pas à personne. N'arrivera à apaiser Valou. Que vais-je devenir? Hein? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je... Attendez, si on essayait de faire ça. Ok, d'accord, je peux même pas faire ça. Je crois qu'on est un peu dans la merde, mais... on est un peu dans la merde. Mais genre jusqu'au cou, quoi. Faut qu'on lui dise aussi. Faut qu'on lui dise que c'est Medoli qui est parti. Sinon, on va se faire avoir. Par là, je suis déjà allé. Alors lui, il va juste me demander de faire ça. Ça sert à rien. D'accord. Ok. Ah mais peut-être que je peux jouer mon truc du vent. Merde.
Ok, ça a absolument rien changé. Je regarde un petit peu. Pourquoi il n'y a plus de vent là d'un coup? Ok. On est un peu dans le caca. Comment je vais faire pour leur dire que Medoli elle s'est enfuie? Enfin, elle s'est pas enfuie, elle s'est fait kidnapper. Comment je vais faire? Oh attendez, il y a un truc là-haut. Mince. Ouais, bon. On n'est pas dans le caca. Est-ce que vous pensez que si je saute alors qu'il y a du vent? Ok, ça change que dalle. Faut que je trouve comment... Faut que je trouve ce qu'il faut faire. Si on est déjà bloqué, ça risque d'être pas terrible. Mais... On est allé voir Scaf, y'a rien à faire. Il veut pas nous écouter, donc comme ça, ça c'est clair. Lui, on peut pas lui dire que l'autre elle est partie, parce que sinon on va se faire défoncer. Puis elle m'a dit d'en dire à personne aussi, donc... Mais je peux rien faire avec Scaf. Peut-être que je dois complètement sortir d'ici en fait. J'ai pas un truc que je pourrais lui donner pour dire que. Il m'a donné une bouteille. Il faut bien que ça me serve à quelque chose. On va peut-être l'utiliser. Déjà, je peux l'utiliser comme on a vu dans le magasin Chouchou, je crois. On pourrait peut-être l'utiliser là-bas. Écoutez, on va sortir. Il y a peut-être un autre moyen de d'y aller. Regardez par là. Des crabes ici. Là il y a un truc. On va sûrement apprendre une chanson. Des symboles indiquent les directions. Haut, gauche, droite. Vous avez appris la mélodie du vent. Et à quoi ça sert? Eh, hey, pas mal ce vent. Je m'appelle Zephos, je suis le dieu du vent. Tu es le nouveau maître du vent? Pour un essai, c'est un coup de maître. Tu as fait souffler un vent très correct, tu me plais bien l'ami. La mélodie que tu viens de jouer te permet de contrôler la direction du vent, cela selon la manière dont on utilise le vent peut être un vrai miracle ou une véritable malédiction. Par le malheur, la stèle de mon frère Cyclos a été brisée et il est très en colère. Il paraît qu'il provoque des tornades sur la mer et qu'il importune tout le monde. Si tu vois une tornade au-dessus des flots, corrige donc mon frère. Tu me rendras service. D'accord. Et donc est-ce que maintenant ça va me permettre de... Est-ce que maintenant vous pensez que ça me permettra de corriger le sens du vent pour aller rejoindre Medoli? Écoutez, on va tester. Hein. Vous ne voyez pas, je suis caché. Gnon, 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 gnon. What the fuck.
Je peux pas monter là, donc je suis obligé d'aller là-bas déjà. On fait un peu plus durer parce que j'aimerais bien savoir ce que je dois faire. Oh, regardez. Oula, calme-toi gamin. Remonte. Merci. C'est pas... Attendez, qu'est-ce qu'il dit? Poste. Ok, d'accord. Aïe. Je vais juste retourner là-bas. Je vais juste retourner là-bas, refaire un petit peu ma chanson, vite fait, pour voir. Et puis on s'arrêtera là, ne vous inquiétez pas. On va pas le faire durer 30 minutes. Hop, nickel. C'est quand même dommage que mes Dolly elle soit fait kidnapper en 2 secondes quoi. Genre on s'en va, on remonte l'échelle, elle s'est fait kidnapper. Logique. Hop. Alors, on va se mettre tout simplement à l'endroit où on a envoyé mes Dolly tout à l'heure. J'aime bien comme nom mes Dolly, ça change. On pourrait croire que qu'ils vont dire mélodie, mais non, c'est Medoli, c'est sympa. Ouais. Je me rappelle déjà plus du truc. Je jouais la mélodie du vent, purée. Par là. Ça sert à rien en fait. Je vais tester un truc. Si je saute d'ici, est-ce que vous pensez que le vent va me transporter là-bas? Non, que dalle. Bon, écoutez les amis, on cherchera ça au prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, moi je vous dis portez-vous bien et à bientôt. Allez, tchou tout le monde!